fort ni plus doucement. C'est jouable ça? Oui. Là, là. Oh ah, oh ah, jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que vous êtes tous au même niveau et que c'est acquis, que c'est atteint quoi, ce niveau-là. On se le retente un coup. Oh ah, oh ah, eh. Oh, oh ah, oh ah, eh. Spontanément, on arrivera à tous partir au même niveau et chanter à la même, avec la même puissance les uns et les autres sans avoir autant besoin d'attendre. Et c'est à force de s'entraîner à le faire qu'on y arrivera. Au-delà du fait d'essayer de chanter sur le même niveau, il faut aussi essayer de... L'écoute, elle sert aussi à essayer d'entendre quand on n'est pas sûr de sa note, et de chanter juste, d'essayer de bien écouter ce que font les copains et de faire varier sa propre note jusqu'à ce qu'on ait atteint celle qui nous paraît être la plus collective, même si elle n'est pas parfaite. C'est clair ce que je dis ? Oui. Je sais pas du tout, il me semble clair. Parce que vous faites des têtes bizarres. C'est ça, ça fait un peu flipper. Et du coup, là, juste augmenter votre niveau d'écoute en... Déjà, essayant d'atteindre donc le même niveau sonore et en plus, d'essayer de choper la même note que les autres. Ceux qui sont plus sûrs d'eux en termes de notes, du coup, vous pouvez peut-être prendre l'initiative d'être à peine un peu plus fort pour entraîner les autres avec vous. Et ceux qui sont un peu moins sûrs, partez plus doucement et remontez jusqu'à la bonne note. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, à la même hauteur, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Du coup voilà, l'idée c'est de temps en temps de s'obliger à faire ce type d'exercice, même dans la rode, de se recentrer sur ce qu'on est en train de chanter, fermer les yeux, écouter ce qui se passe à côté. Et pas longtemps, pas les yeux longtemps, mais juste le temps de dire, au moins le temps de se reconcentrer sur ce qui se chante autour de soi. Voilà, l'idée c'était de déjà ce soir lancer cette démarche-là, après à chacun de s'en... de se l'approprier ou pas, mais voilà, c'était un premier jet. On pourrait faire tout un tas de choses, mais je ne sais pas si on est prêt. Tu n'avais pas un exercice en marchant ? Cet exercice d'écoute-là, il est intéressant à faire aussi debout, en se déplaçant, pas en rond du coup, mais vraiment en marchant. Dans... Je vais fermer tout. C'est plus risqué, mais... On peut le tenter ? On peut le tenter, oui. On va le tenter. On se lève et on marche. On va le tenter. Si tu
tu le sens, on le fait. Hein. À deux voix, c'est pas de moi que ça dépend, c'est de eux. Mais tu vois la première écoute, et tu vois si ça passe. C'est toi la chef. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà chanté à plusieurs voix? À plusieurs voix. Vu la non-compréhension, oui, de la question, ça veut tout dire. Chacha aussi, tu dis pas non? Oui, je dis oui. Du coup, est-ce que... On peut l'applaudir quand même. Ouais. Hein, ouais. Il faut que vous marchiez avec, en gardant cet exercice d'écoute et en continuant en faisant oh ah oh ah eh, oh ah oh ah eh. Et vous continuez comme ça en vous déplaçant et en vous écoutant les uns les autres. Il faut qu'on soit ensemble. Ouais. Nous, on va faire des petites blagues. C'est bon, vous y allez? Ouais. Allez, c'est parti. Oh ah oh ah eh. Oh ah oh ah eh. L'idée, c'est de marcher au milieu, pardon. Oh ah oh ah eh. D'accord. En se déplaçant. Oh ah eh. Oh ah oh ah terme de réussir à, dans la rode, pouvoir inclure de nouvelles voix sans que ça perturbe ceux qui chantent la mélodie de base. Et c'est en se déplaçant et en s'obligeant à garder sa note, même s'il y a quelqu'un à côté de nous qui chante autre chose, qui va permettre qu'on y arrive tôt ou tard. Et plutôt tôt que tard. Merci.